bien sûr où ça se trouve. Bon. J'ai mis des signes là où on doit cliquer. Super. OK, il y a les mots. Il y a les mots. Puis pour la communion, tu le refais à la communion? C'est toi, Seigneur, à chaque fois. Aussi, quand tu as fait le chant de communion, est-ce que tu as mis cette pensée? Est-ce que tu aimes ça comme refrain? Qui revient à chaque fois ou tu as juste continué? J'ai continué. Un, deux, trois. Sans revenir sur le refrain. Parce, ouais, que parce qu'il y a beaucoup de mots. Parce qu'il y a tout mon fait de serment. Je suis arrêté sans mettre, sans aucun de mes refrains. Alors que moi, je l'avais mis. Okay. Alors je devais chaque fois tout ça. On va juste continuer. Oui, merci. C'est juste...
Bonjour, frères et sœurs. Nous vous invitons de vous rendre dans le narthex pour la bénédiction des rameaux et la procession. Il faut les deux micros. Maintenant, ouvrez pour Monseigneur. Non. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église, la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, le mystère de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, en suivant le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons aussi part à la résurrection et à la vie éternelle. À ce moment-ci, on va faire la distribution des rameaux et ensuite je fais la bénédiction. Alors, s'il y aurait quelques gens qui pourraient prendre les rameaux et les distribuer à tout le monde. Deux, trois, quatre personnes. Prends ça, ok? Et puis amène-les à ta famille, là, ok? Ok? Où est ta famille?
S'il y en manque, on peut toujours les diviser. Okay. La charité, c'est permis. Prions. Augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en toi, Seigneur Dieu. Exauce en ta bonté les prières de ceux qui te supplient aujourd'hui. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous, par nos œuvres bonnes, porter en lui du fruit à ta gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, d'ailleurs dans la rue, et ils les détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, « Qu'avez-vous à détacher cet âneau ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, les couvrirent de leurs rameaux, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, nous commençons une semaine de théâtre. Oui, c'est ça, mais du théâtre sacré. Et il y a deux points à propos de les célébrations de cette semaine. Toute la semaine sainte. Et nous allons, bien sûr, avec le Seigneur, de pas en pas, ce matin, avec son entrée triomphale à Jérusalem, mais aussi
avec la lecture de la Passion. Et ensuite, jeudi saint. Et ensuite, vendredi saint. Et ensuite, le grand silence de samedi. Et ensuite, la joie de Pâques, la résurrection. Et oui, c'est du théâtre sacré, pour deux choses. Nous rappeler. On a besoin, et c'est notre vie, de se rappeler sans cesse de ce mystère de la mort, de tout amour, et de la résurrection, triomphe de cet amour. Alors oui, mais c'est aussi pour représenter, dans le sens qu'on ne se rappelle pas uniquement comme rappel du passé, mais comme vérité d'aujourd'hui, vérité du Christ vivant aujourd'hui par l'Esprit Saint en nos cœurs, en nos vies, pour vivre ce qu'il a vécu dans sa perfection d'amour humaine et divine. Et à nous, l'invitation constante, de s'approcher de cet amour-là pour être en communion avec le Père, par Jésus et en l'Esprit Saint. Alors maintenant, nous allons avoir la procession et je vous invite à deux choses, de faire gigoter vos rameaux. Ça, c'est plus facile pour les enfants, mais les vieux, vous pouvez le faire aussi, là, OK? All right? Deuxièmement, le chant, c'est un chant triomphal, de joie. On accueille le Seigneur. Alors, je vous invite à chanter de tout votre cœur. Et je demande au ministère du chant, de la musique, de ne pas arrêter tant que tout le monde n'est pas dans son banc. OK? Et on continue à chanter. Par la fin, on va bien connaître les mots. Prêcher l'amour, gloire à toi, Seigneur.
encore l'amour au monde. Hosanna, ô fils de David, Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Tu as chassé la mort de nos tombeaux. Hosanna, tu as changé le cœur de Madeleine. Gloire à toi, Seigneur. Tu changes encore le cœur du monde. Hosanna, ô fils de David, Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Tu as chassé la mort de nos tombeaux. Hosanna, tu as changé le cœur de Madeleine. Gloire à toi, Seigneur, tu changes encore le cœur du monde. Hosanna, ô fils de David, Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou franchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Veuillez vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons être debout pour la lecture de la Passion, mais si à un moment la sagesse vous dit de vous asseoir, n'hésitez pas. La Passion sera dialoguée, il y aura des réponses à travers la lecture de la Passion qui sera projetée sur l'écran. Il y aura également la partie de la foule que vous êtes invités à le dire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entre avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. » Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville. » Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? » Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas.
Faites-y pour nous des préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils y trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara. « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. « Serait-ce moi? » Il leur dit. « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Que ton sang nous sauve, Agneau immolé. Que ton sang nous sauve, Agneau immolé. Vous pouvez vous asseoir. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Assoyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici éveillés. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si c'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil.
et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et lui, avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, « Rabbi. » Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Toi qu'on abandonne, reste auprès. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de mains d'hommes, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, « Fais le prophète. » Et les gardes lui donnèrent des coups. « Toi, le Fils de l'homme, viens régner chez nous. Toi, le Fils de l'homme,
Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es Galiléen. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. Nous pleurons nos fautes. Matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il y porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate en fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander pour qu'on leur accordait ce qu'on leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils le relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, et ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mettent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, lui remirent ses vêtements. L'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix
un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait, il le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient les descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Pour ceux qui le peuvent, nous pouvons nous agenouiller. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, puis depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment ! Cet homme était fils de Dieu. » Aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion
et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix et l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors que nous entrons dans la Semaine Sainte, je vous pose une question. Une question qui est une question de tout âge, de toute vie. La question, qu'est-ce qui est le plus fort, le bien ou le mal? Qu'est-ce qui est plus fort, le mal ou le bien? Et je vous demande de personnaliser cette question. Dans notre monde aujourd'hui, à ce moment-ci, et peut-être ayant écouté les nouvelles ce matin, comme tout matin, qu'est-ce qui semble le plus fort, le mal ou le bien? Mais pensez donc aussi à vos vies en famille, vos vies dans la société. Qu'est-ce qui est le plus fort, le bien ou le mal? Pensez à ce qui se passe en vous. Peut-être dans un moment de joie, de bien, de bien-être, ou peut-être c'est tout le contraire. Une grande souffrance, ou une grande peur, ou une grande colère et aigreur. Qu'est-ce qui est le plus fort, le bien ou le mal? Le mal ou le bien? Ça fait une différence dans nos choix, dans notre vision, dans notre manière d'approcher tout. Qu'est-ce qui est le plus fort, les ténèbres ou la lumière, le péché ou la mort? Qu'est-ce qui est le plus fort, le plus puissant? Je vous demande d'imaginer la scène de les jours de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'à la croix. Imaginez que vous êtes là et de passage, vraiment vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe, mais vous observez et vous voyez Jésus qui rentre en roi, mais en roi humble, sur le petit d'un âne. Et tout le monde le salue, comme on l'a fait ce matin. Et vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Jésus de Nazareth. Il a fait tellement de bien, tellement de guérison. Il nous parle de Dieu d'une manière qui nous libère de nos peurs, qui,
qui nous ouvre le cœur, qui nous donne espoir. Il a fait tellement de bien, il dit tellement ce qui est de Dieu. On espère qu'il va être le Messie, le roi d'Israël. Et quelques jours après, encore de passage, vous voyez Jésus sur la croix, bafoué, trahi, trahi par ses proches. Et il meurt. Et la mort de la crucifixion, une des pires manières que les Romains avaient à punir les criminels, les grands méchants. Est-ce que la question ne serait pas venue à cet individu-là? Qu'est-ce qui est le plus fort, le bien ou le mal? Le rejet de ce bien-là par les autorités, pas par tout le peuple, non, mais par les autorités. Et le peuple se laisse emporter. Et ça, c'est déjà un mal. Qu'est-ce qui est le plus fort, le bien ou le mal? Eh bien, nous entrons dans une semaine où nous allons voir la victoire du bien, de l'amour de Dieu. Et vous allez dire, ah oui, dimanche prochain, la résurrection, pas seulement là, mais sur la croix, la victoire de la croix, la victoire de l'amour manifesté, donné, versé complètement, nous voyons ce qui est le plus fort. Et nous sommes invités à vivre cela avec Jésus, pour que là où il y a le mal, on le remplace par le bien. Là où il y a manque d'amour, on le remplace avec Jésus, comme Jésus, avec une abondance d'amour. Là où il y a ténèbres, que nous apportons la lumière, comme on va porter la lumière à la vigile pascale. Alors c'est une semaine pour se demander ça. Qu'est-ce qui est le plus fort, le plus puissant? Le bien ou le mal? Dans nos, des fois, divisions à l'intérieur de la famille, des fois, de l'influence de l'autre auquel on pourrait rester vraiment indifférent, est-ce qu'il va être plus fort en notre cœur par la grâce, la vie de Jésus en nous? Prenons une semaine pour réfléchir à cela. Le mal, le bien qui rayonne de la foi du crucifié et qui est là sur le visage du ressuscité. Et je finis avec ceci. Si je veux voir un signe que le bien est plus fort que, disons, la souffrance, la manque, les tables garnies de nourriture chaque dimanche ici à la cathédrale, moi je sais qu'est-ce qui est le plus fort. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, Fils du Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, que l'univers. Communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La passion et la mort de Jésus nous ont dévoilé la tendresse et l'amour infini de Dieu notre Père pour toute l'humanité. En toute confiance, adressons-lui nos prières pour son Église et pour les besoins de nos sœurs et frères partout dans le monde, et notre réponse sera: Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, tu as pris notre condition humaine jusqu'à mourir sur la croix pour le salut de tous. Inspire à ton Église des actions pastorales qui naissent de ton amour, pour que sans relâche, elle porte ton message de vie et d'espérance auprès de tous les peuples. Ensemble, prions. Pour les catéchumènes qui se préparent à vivre leur baptême le jour de Pâques, afin que l'amour de Dieu habite leur cœur et les éclaire de sa lumière. Ensemble, prions. Pour les gens qui s'éveillent à la foi et désirent rencontrer le Christ, afin que des témoins les accompagnent et les conduisent à la liberté des enfants de Dieu. Ensemble, prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les chefs d'État et de gouvernement, donne-leur l'esprit du courage afin qu'ils sachent faire preuve d'audace et de créativité pour trouver des voies de réconciliation aux conflits et assurer la paix dans le monde. Ensemble, prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les femmes et les hommes éprouvés par la pauvreté, la maladie, le deuil et la violence sous toutes ses formes, afin qu'ils trouvent le soutien d'un bon samaritain pour parvenir à des jours meilleurs. Ensemble, prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils vivent les célébrations de la Semaine Sainte comme de véritables rencontres avec le Christ ressuscité. Ensemble, prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour toutes les intentions que nous portons dans le secret de nos cœurs. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Père infiniment bon, tu as envoyé ton Fils Jésus manifester ta bienveillance envers toute l'humanité. Dans ton amour, accueille nos prières et daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ,
par toi la vie surabonde. Ô croix de Jésus-Christ, tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, l'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ton dénouement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Ô croix de Jésus-Christ, ô croix toujours triomphante, ô croix de Jésus-Christ, tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Frères et sœurs, prions un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir,
grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et cela par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner par les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, avec moi-même, ton humble serviteur, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Boniface, et avec tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit, prenez, mangez, voici mon corps livré pour dans ma vie.
Prions. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au lieu vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Alors, en venant, je voudrais remercier mon Seigneur d'avoir présidé cette messe du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, et les remercier pour toute la Semaine Sainte, où il va présider les autres célébrations pour nous. Durant la semaine, nous avons le mardi la messe chrismale, et pour thème, ça sera autour de la jeunesse. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre paroisse. Monseigneur invite d'abord tous les fidèles du diocèse à participer à cette messe, mais en particulier le jeune. Ainsi, je vous invite, le fidèle de la cathédrale et le jeune, parents et de vos jeunes, à venir à cette messe pour accueillir d'autres jeunes de notre diocèse et accueillir tous les fidèles qui viendront pour cette célébration de la messe. La messe aura lieu à 7h30 du soir, 19h30. Le jeudi, nous avons la célébration de la dernière scène, l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. La messe aura lieu aussi à 7h30 du soir. Le vendredi, nous avons la célébration de la Passion du Seigneur qui a lieu à 3h de l'après-midi ou 15h. Et le soir, à 19h, nous avons la méditation des chemins de croix. Le samedi, mais c'est la grande vigile pascale, au cours de laquelle nous aurons 4 baptêmes, 2 enfants et 2 adultes qui vont recevoir leur sacrement d'initiation chrétienne. Et nous vous invitons de venir nombreux pour célébrer le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, mais aussi de soutenir les nouveaux membres de notre communauté qui vont recevoir le baptême. Le dimanche, la messe, c'est à la même heure, à 10h du matin. Et au cours de cette messe, nous aurons aussi 16 personnes de notre paroisse qui vont recevoir leur première communion. Venez donc nombreux pour cette célébration de la messe. Nous voudrions vous remercier de votre participation active à cette célébration. Merci à tous les bénévoles qui ont préparé et assuré le bon déroulement de cette célébration de la messe. Après la messe, n'oubliez pas, nous avons le café, le jus qui nous permet de nous connaître comme paroissiens. Merci. Merci bien, Père Germain. Et les distinctions, c'est toujours bien. Le Père Germain a dit qu'à la messe chrismale, j'invite surtout les jeunes et j'ai mis surtout les 20 à 40 ans. Alors ça, c'est les jeunes. Mais si vous êtes 50, si vous avez 50 ou 60 ou 70, comme moi je l'ai, et que vous êtes jeune d'esprit, venez. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Seigneur.